à tous. Ah, on est un peu rabaissé par rapport à ce qu'on a vu, mais c'est pas grave. Alors, je suis avec Audrey. Bonjour. Voilà, qui est une prof de, une danseuse et une prof de Mont-de-Marsan, si je me trompe pas. Donc moi, je suis ravie de l'interviewer parce que je la connais pas non plus des masses et ça va apprendre à la connaître. C'est cool. Et puis donc là, voyez, on est dans une voiture parce qu'en fait, on a prévu d'aller être au McDo, mais en fait, un midi McDo, c'est blindé, donc autant vous dire que voilà. Donc vous allez sûrement entendre des gouttes d'eau, comme tu disais tout à l'heure, parce que il pleut. Voilà. Donc on va faire comme on peut. Hein. Allez, c'est parti. Quelle a été la raison de ta venue dans un premier cours de danse orientale et à quel moment tu as décidé de donner toi-même des cours? Ah, c'est une question vaste. Oui. Alors, j'ai pris mon premier cours de danse orientale il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 6 ans. D'accord. En fait, il faut savoir que mon mari est rome et ouais. Chez les roms, on danse beaucoup. D'accord. Donc, j'avais appris à danser en fait les danses roms et voilà, j'aimais beaucoup danser et on me disait dans son entourage que je me débrouillais pas mal, tout ça. Et voilà, et ça m'a, je me suis donc dit que je voudrais prendre des cours. Il n'y avait pas de cours de danse rome, donc c'était, j'ai trouvé un cours de danse orientale à Mont-de-Marsan. Okay. Voilà, avec une prof qui faisait partie d'une association, Alice Guerrer, qui ne danse plus maintenant. D'accord. Et j'ai pris mes premiers cours de danse à ce moment-là. Voilà. D'accord. J'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 4 mois parce que je suis tombée en scène de mon troisième enfant. D'accord. Et du coup, à quel moment tu t'es dit je vais donner des cours, je vais moi-même apporter, enfin essayer d'apporter quelque chose aux autres? Alors ça s'est fait un peu, c'était pas prévu. D'accord. En fait, je continue après à prendre des cours avec Nadia Sémin à Mont-de-Marsan. D'accord. Et il s'est trouvé qu'elle a arrêté les cours, voilà, comme d'accord. Ça. Les cours se sont arrêtés en juin et en été elle nous a envoyé un mail comme quoi elle a arrêté ses cours d'accord. À Mont-de-Marsan. Donc on s'est retrouvés sans prof de danse. Et enfin voilà, on était plusieurs à être vraiment dégoûtés. Enfin, ouais. On voulait danser. Ben enfin, oui. Voilà, moi je commençais à m'épanouir dedans. J'avais vraiment envie de continuer. Et donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose. Au début, je voulais donner que des cours de danse rom. Et je d'accord. Me suis dit, maintenant que je sais comment se déroule un cours, que je sais comment mm-hmm. construire un cours, je vais essayer de lancer le cours de danse rom à Mont-de-Marsan. D'accord. Ça n'a pas marché. D'accord. Voilà, c'était une catastrophe. J'ai eu des filles qui sont venues essayer, personne n'est revenu. D'accord. C'était assez dur à avaler. Et je me suis dit, bah, puisque c'est ça, je vais essayer de donner un cours de danse orientale. Ouais. Même si bah, j'avais pas le niveau, forcément, ouais. Ça faisait pas très très longtemps. Et voilà. Puis finalement, ça a démarré tout doucement. J'ai eu 2 élèves, puis 5, puis 15, et puis maintenant 35. C'est vachement ça, bien. Ça évolue, mais par contre, je suis en devenir, quoi. Oui, mais je pense pas abouti. Je pense que c'est tout le monde pareil, hein. On se forme tous continuellement, quoi. Voilà. C'est important. Donc, ça vient. Ça grandit un peu par mais c'est bien. Super. Et c'est ton association s'appelle Romano Oro. D'accord. Voilà, parce que du coup, maintenant, j'ai réussi à lancer mon cours de danse rom comme t'as je voulais. T'as pu l'imbriquer. Voilà, je l'ai imbriqué dedans. Et les filles, en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui font les deux cours. Ah ouais, c'est voilà, bien. Ça leur apporte un complément. En fait. Ouais, ça donne notre voilà. Notre vision de ce que ça peut être. Ouais, enfin, je trouve surtout que ça leur apporte. Comme c'est de l'improvisation, beaucoup. D'accord. Ça leur apporte une assurance. Ouais, c'est vrai que l'impro, c'est bien. Ouais. Donc ton premier professeur, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'était Alice Guerrer. Nadia Sémin. Nadia Sémin. Voilà. Ok, donc là, elles ont toutes les deux arrêté. Elles n'ont pas de site, elles n'ont pas de. Non. Enfin, d'accord. Nadia, je pense qu'elle continue peut-être sur Biarritz, je ne sais pas trop. D'accord. Ok. Quel est le stage que tu as préféré? Le stage que j'ai préféré. Tout ce que tu as pu faire. Ouais, c'est difficile à dire. Que j'ai préféré. C'est dur, hein? C'est dur, c'est très dur. Je ne voudrais pas en oublier. Bah oui. J'ai beaucoup aimé un stage que j'avais fait avec Zoom Zoom. Ouais. Voilà, c'est un street shabby. D'accord, c'était à Bordeaux? Et oui, voilà, c'était à Bordeaux. C'était Anna qui avait organisé ça. D'accord. L'année dernière. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'énergie ouais. Zoom Zoom, c'est très sympa. Et bien tu vois, moi je connais pas, enfin je connais de nom et j'ai jamais fait de stage avec lui et je vais tester du coup cette année parce qu'Anna refait venir Zom Zom et Tali. Donc en juillet. Ouais, bah moi aussi, du coup je vais voir. Et j'avais jamais fait non plus, j'ai jamais fait de stage avec Tali donc ça sera. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ça va être cool.
Donc ça, c'est le 1er et 2 juillet. Voilà. Oui, à Bordeaux. Oui, à Bordeaux. Alors, quel danseur ou danseuse aimes-tu regarder ? Que j'aime regarder en ce moment. Peut-être regarder en ce moment. Beaucoup de vidéos, voilà, des trucs. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y en a une ou un qui vraiment te dit, ah, j'ai envie de, je vais voir sa nouvelle vidéo ou. Alors, ce que je veux te dire en ce moment. Il y a des vieilles vidéos que j'aime. Ouais. Donc, il n'y a pas de nouveau. J'aime beaucoup. C'est des super noms, donc ça commence, c'est le stress. J'aime beaucoup Sarah Zaki. Oui. Mais elle fait pas de nouvelles vidéos. Oui, bah voilà, oui. Forcément. Mais t'aimes bien regarder ces vidéos. J'aime beaucoup regarder les vidéos. Sinon, en nouvelles vidéos, j'aime beaucoup Alla Kushnir. Ouais. Voilà, c'est mon délire. Elle est russe, je crois. Elle est ukrainienne. Ukrainienne, ukrainienne, ouais. Et en fait, des fois, elle va un peu loin. Hein. Des fois, j'aime pas tout ce qu'elle fait parce que c'est un peu. Osé, des fois. Ça peut être un peu osé. Mais voilà, je trouve que bien quand l'énergie. Elle danse, elle est tellement. Enfin, elle a la beauté du diable. Quoi. Ouais. D'accord. J'adore. Ok. Ok, alors Swarzaki et Alla Kushnir, on va dire. Comment crées-tu tes chorégraphies pour tes élèves ? Comment ça se passe ? Alors, c'est. D'abord, je trouve une musique que j'aime. Ouais. Voilà, une musique. Ça peut être une musique que j'écoute comme ça sans forcément chercher. Je me dis, tiens, l'année prochaine, je vais faire une chorégraphie là-dessus. Donc, je la garde en tête. Et ensuite, ben, j'improvise. Je l'écoute en boucle, j'improvise des petites choses dessus et puis je marque ce qui passe bien. D'accord. Et après, ben, je comble un peu. Je comble les trous, enfin, là où je vois c'est rien. Pas naturel, là, je me mets à compter, à voir ce que je pourrais mettre, ce qui passerait et à essayer de voir ce qui s'aimerait bien aussi avec le reste. D'accord. Non, mais c'est bien. Voilà. C'est très bien. Quelles sont tes ambitions dans la danse ? Alors, mes ambitions. J'aimerais. J'ai pas. Enfin, je suis déjà contente de ce que j'ai. Oui. Voilà, je suis contente d'avoir mes élèves, d'avoir ma petite asso qui monte. Mm-hmm. Et voilà. Et ce que j'aimerais. Mais c'est bon, c'est pas. Mais il faut y croire. Hein. Oui, il faut tous y croire. Rêves. Mais j'y crois, hein. Mais bon, j'aimerais pouvoir ne faire plus que ça. Voilà. Là, en vivre travail, totalement. Alors, et c'est compliqué entre le travail, les trois enfants. Oui. Ça, c'est... Même quand on crée, etc., il faut qu'on soit vraiment dans. Pour être encore plus efficace, je pense qu'il faut être vraiment l'esprit libre, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, des fois, on n'a pas aussi le choix. Enfin, voilà. Ouais, on n'a pas trop le choix. Mais bon. C'est un bel objectif, quoi. C'est de belles ambitions. quels sont tes prochains projets ? Est-ce que tu as des projets un peu fous que tu peux nous divulguer ? Projets fous ? Ou des projets que tu aimerais mettre faire dans quelques années ou des idées, des choses comme ça que tu aimerais. Alors, si jamais je pouvais ne faire plus que ça, en fait, oui, j'aurais des projets qui allieraient en fait un peu la danse orientale et mon métier d'aide-soignante. D'accord. Parce que. On sait que le pilates, par exemple, c'est très bon pour les femmes enceintes, ou pour les personnes qui ont eu un cancer, ou pour aider à reprendre possession de leur corps. Et je pense que la danse orientale aussi, notamment pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, ou des choses comme ça, ça peut être une manière de se réapproprier son corps et se ressentir à l'aise dedans. Ouais. Et j'aimerais, ça serait un projet de pouvoir aller enseigner, enfin donner des cours, pas forcément des cours très efficace, mais des cours. Ouais, puis t'as plusieurs cordes à ton arc, donc autant mettre tout. Et pourquoi pas aller dans les maisons roses, qui sont dédiées aux femmes qui ont eu le cancer du sein, tout ça, ça serait des projets. Ah ouais, c'est des beaux projets, vraiment super bien. Faut pas qu'on me le pique. Hein. Non, personne ne te le piquera. Non, je plaisante. De toute façon, la vidéo est datée, donc voilà. Non, je plaisante. Non, s'il y avait plusieurs personnes qui feraient ça, au contraire, ça serait super, voilà. Oui. Non, oui, c'est. C'est vrai, t'as raison. Ton meilleur souvenir, ton meilleur moment dans la danse orientale. Mon meilleur moment. Mon meilleur moment, il n'y a pas très longtemps de ça, c'est quand ma petite Chloé a gagné le concours amateur. C'était solo amateur. Voilà, c'était solo amateur niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire. Voilà, et donc elle a gagné. Et puis alors là, ça a été. Mais comme quoi, ça révèle ton engagement, ça révèle le fait que tu es une très bonne prof, parce que c'est pas rien de gagner, elles étaient quand même,
je crois. C'était pas mal. Hein. C'était... J'ai pas compté. Je me rappelle plus. Mais bon, bref, c'était quand même pas mal. Il y en avait pas trois, quoi. Mais je me suis sentie, voilà, fière. Mais tu peux, et, tu peux. Hein. J'étais contente. Mais tu peux parce que. J'aimerais que ça se reproduise encore, les filles, hein, attention. Oui. Vous avez été obligées de gagner tout le temps maintenant. Non, mais vraiment, elle dansait très bien. Et ouais, franchement, on a bien aimé, nous, dans le jury. C'était. Tu peux être fière, ouais, c'est clair. Quel est ton modèle dans la danse orientale par rapport à la carrière? Alors, mon modèle, enfin, la danseuse et professeure que j'admire beaucoup et que je connais un petit peu, voilà, donc, chez qui je vais prendre des cours de temps en temps, ça, c'est Caroline Châtel. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis je trouve qu'elle reste très douce, très c'est simple, très, très accessible, et puis elle comprend, enfin, j'ai l'impression qu'elle me comprend. J'aime beaucoup, voilà. Bah, c'est vrai j'ai que c'est un feeling qui me passe bien avec Caroline. Mais c'est vrai que tu fais bien le dire, parce que je pense qu'on est, beaucoup dans ce cas-là, en tout cas dans la région, dans les autres régions, je sais pas, mais en tout cas... on est beaucoup à admirer son parcours, sa carrière et en plus son état d'esprit, c'est-à-dire très, comme tu dis, très humble, très doux et elle apporte tellement de choses, c'est un livre ouvert quoi. Enfin, oui, c'est ça, elle connaît tellement de choses. Ah, oui, c'est sûr. Elle a des beaux costumes aussi. Et puis elle les offre, en fait ce qu'elle connaît, tout ça, elle a pas... Oui, elle garde, le partage à fond. Et c'est très... J'aime beaucoup. Ouais. J'aimerais avoir plus souvent l'occasion d'y aller, mais Bordeaux c'est pas à côté. Non, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Comment définirais-tu ta manière de danser? C'est difficile comme danser. C'est difficile. Comment je définirais ma manière de danser? Alors, je suis pas très technique. Je suis pas très carré, en fait. Parce que déjà, j'ai pas de base de classique ou de jazz. Ou, voilà. Donc je suis pas très très technique, même si j'y travaille. Et je suis plus dans... J'aime improviser en fait. D'accord. Voilà. Souvent... T'aimes bien te laisser aller sur la musique que t'aimes. Je chorégraphie, quand c'est pour un solo pour moi, je chorégraphie le début, je chorégraphie la fin, puis le milieu, je chorégraphie freestyle. Pas. Voilà, c'est ce que j'aime faire. C'est là que je m'amuse en fait. Mais c'est bien, ouais. Voilà, et donc ma manière de danser, elle est un peu libre, quoi. Et je me laisse influencer par la culture rome aussi, pas mal, des fois. D'accord. Donc bon, c'est... Je suis pas un style académique, oriental, quoi. Ça m'interpelle pas mal, parce que je connais pas trop, moi. Et j'aimerais bien... T'as des vidéos, des exemples de vidéos qu'on pourrait regarder Elles sont rares, les vidéos de danse rome, ouais. T'en as une que je pourrais mettre en lien en dessous de la vidéo pour que les gens voient un peu... Alors je vais chercher ça et je t'enverrai un lien si j'en trouve un. Carrément, je pense. Après, que ça pourrait intéresser pas mal. En danse rome, il y a les danses en ligne et il y a aussi le tout-check qui est la danse individuelle d'improvisation. Voilà. D'accord. C'est plus de ça que je parle là. D'accord. Et après, moi des fois je fais de la fusion, donc c'est plus tout à fait ça non plus. C'est plus du tout-check, c'est plus mais c'est la danse orientale, mais c'est de la fusion entre les deux. Ouais. D'accord. Et c'est ce que j'aime faire. En fait, toi, ta manière de danser, c'est plus dans le feeling... t'aimes une musique, voilà, tu vas chorégraphier en fait la structure et après tu vas t'as envie de te sentir libre dans ta danse en fait, pas de te mettre trop de... C'est ça me correspond pas en fait, j'ai du mal à danser les chorégraphies des autres, c'est quelque chose, je le fais hein, des fois, mais ça m'amuse pas en fait. Oui, t'as du mal à mettre ta personnalité dedans voilà, et oui, voilà. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis, ça ressemble un peu à, je sais pas si t'as vu la vidéo de mon élève la semaine dernière, Christine, qui dit un peu la même chose qu'elle. Ça raconte une histoire. Ouais, elle a vraiment besoin, enfin elle est vraiment dans son délire quoi. Oui, mais je comprends ce qu'elle dit. Voilà, bon, mais super. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Un dernier mot. Quelque chose à dire, quelque chose peut-être pour ton spectacle du 25 juin. Ah oui, mais ça sera pas mon dernier mot. Ah. Oui, parce qu'elle fait un spectacle, son spectacle de fin d'année, c'est ça, le 25 juin. Alors, on fait un dîner-spectacle, en fait, parce que ça correspond à ce que j'aime. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas une scène, on est à hauteur du public. Voilà, donc là, on fait un dîner-spectacle. En première partie, il y a mes élèves qui dansent, qui font leur gala. Il y a Danse Rome, Danse Orientale. En deuxième partie, c'est une scène ouverte. Donc, il y aura un peu de tous les styles. Il y aura aussi du ragga dancehall. D'accord. Et on a une invitée, Alice Kieffer, qui fait de la danse Bollywood. D'accord. Qui est notre invitée cette année et qui donnera un stage le lendemain.
Ah, c'est un beau programme. Voilà. Et donc, tu m'as dit que c'était pas ton dernier mot. Et donc, mon dernier mot, parce que je sais que tu demandes un dernier mot. Donc, tu t'es préparé. Tu savais que c'était la question, enfin, le truc que j'allais dire à la fin, que tu étais sûre. Ça me rassurait d'avoir un dernier mot. D'accord. Alors, il faut que j'ai l'air sérieuse. D'accord. Donc, si, voilà, je voulais vous dire que si jamais vous avez des rêves, voilà, si jamais vous croyez en quelque chose, ne laissez pas ceux qui pensent que vous n'en êtes pas capable vous dire que vous n'en êtes pas capable. C'est à vous seul de décider si vous voulez faire quelque chose ou pas. Donc, allez-y, foncez. C'était super bien. Donc, on augmente le niveau chaque fois. Le mot de fin, il augmente de niveau. Non, mais vraiment, tu as totalement raison de le dire, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont, par X ou Y raison, qui vont vous dire non, mais ça, c'est trop risqué ou c'est trop machin. Alors que finalement, bah, c'est, il y a que vous dans votre propre vie, quoi. Donc, c'est vrai que tu as raison de dire ça. Il faut oser. Faut oser, ouais. Et tu as un exemple, d'ailleurs... apprendre puisque tu t'y es mis tard. Oui, oui, d'accord. On peut le dire, merci. Ouais, mais c'est, je trouve que c'est vachement bien de... Vieille, mais non, on n'est jamais vieille, c'est que dans la tête. Mais tu t'y es mis tard et c'est un super exemple de réussite, hein, même si tu as encore envie d'évoluer, etc. Mm-hmm. Mais pour les personnes qui ont peut-être ton âge, tu vois, mm-hmm. et qui ont des rêves, et non, faut pas les abandonner parce que l'âge, c'est que dans la tête. Hein. Oui, c'est vrai. C'est que dans la tête. Bon, ben merci beaucoup Audrey, c'était super sympa, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'oubliez pas le 25 juin, à d'aller voir. Donc moi j'aurais aimé venir, je te le dis, mais le problème c'est que je travaille au Riyad et là il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai personne pour me remplacer. Il faut vraiment que j'y aille, mais sinon je serais venue, j'aurais fait une petite vidéo. Ouais, ça aurait été avec plaisir. Donc voilà, bon ben à la semaine prochaine, ciao.